chaleur est insupportable. Et tout ce bruit. Nous aurions dû aller autre part. Et où cela, chérie? Il n'y avait plus de place. Demain, nous serons au Métropole. J'ai pu y avoir une chambre. Mais pourquoi es-tu venu échouer là? On n'allait pas passer la nuit sous les ponts. Non, mais ça... Et la chaleur... Il y a un ventilateur. Ted, où est-ce que tu vas? Chercher quelqu'un qui puisse mettre en marche ce ventilateur. Chérie, tu ne vas pas me laisser toute seule. Ne t'inquiète donc pas, je reviens. Ted! Cette chambre est... Oh. 4-2. C'est bien ça. Ted. C'est le numéro. Tenez, regardez. Ted. Attaquer ma femme. Tous les gouvernements ont leur service secret. En Amérique, c'est le CIA. En France, le deuxième bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation Atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. Jeanne Anderson venait d'épouser le capitaine Ted Baker. Ils étaient partis en voyage de noces pour l'Orient, où le capitaine Baker avait longtemps vécu. Ils s'étaient arrêtés en route dans l'île de Bantong. Et le jour même de leur arrivée, Ted Baker était inculpé de meurtre. Un mois plus tard, il occupait la cellule des condamnés à mort. Et sa femme désespérée souhaitait mourir elle aussi. Pardon. Qui est là? Je m'appelle Drake, John Drake. Écoutez, monsieur Drake, je ne suis pas en état de recevoir. Je suis malade, très malade. Je m'excuse, madame Baker, mais j'arrive par avion de Washington. Et tout spécialement pour vous aider. Veuillez revenir plus tard. Non, madame Baker. Nous n'avons plus beaucoup de temps. J'ai plusieurs questions à vous poser et je me retirerai. Vous n'y pourrez rien, monsieur. Personne ne peut rien pour moi. Permettez-moi de ne pas être du même avis. Voudriez-vous me dire ce qui s'est passé? Mais en quoi est-ce que cela... Je vous en prie, reprenez depuis le début. Vous êtes descendu au Kalung Hotel. C'est un endroit abominable. Oui, il n'est pas de première classe peut-être, mais c'est un hôtel correct. Votre mari vous avait laissé seul. Et que s'est-il passé? Eh bien, je... Tenez, monsieur Drake... Ces extraits de presse vous apprendront tout ce que vous voulez savoir. Je vous remercie, mais je voudrais votre version personnelle, madame Baker. Non, c'est impossible. Je suis malade. Oh, je voudrais mourir. Je vous jure, je voudrais mourir. Vous avez toute ma sympathie, mais ce n'est pas vous qui êtes en danger de mort. C'est votre mari. Et vous devez m'aider. Personne ne pourra le sauver. Maintenant, veuillez me laisser. Allez-vous-en! Je vous en supplie, allez-vous-en! C'est bon, je pars. Je vais aller au ministère de la Justice, mais je reviendrai. À bientôt, chère madame. Je pris rendez-vous avec le ministre de la Justice. Il s'apprêtait à quitter son bureau et m'invita à le rencontrer chez lui. Je me présentais comme correspondant itinérant de l'Agence internationale de presse. Et le but de cette visite est de connaître, monsieur le ministre, quelle forme de justice vous entendez appliquer au cas du capitaine Baker. Asseyez-vous. Merci. Malheureusement, monsieur Drake, nous n'avons pas le choix. Dans cette nouvelle démocratie qui est la nôtre, seule la peine de mort est applicable au capitaine Baker. Merci. Mais dans son cas, il ne s'agit pas de meurtre. Ce n'est qu'un simple homicide. Notre peuple aussi est simple, monsieur Drake. Et cette distinction est pour lui bien trop subtile. Mais Baker n'avait jamais vu la victime avant d'avoir si malheureusement tiré sur lui. Oui. C'est justement un des arguments de l'accusation au procès. La victime était mariée et avait 4 enfants. Il descend à l'hôtel... Et voici que survient un homme,
un homme qu'il n'a jamais vu. Et cet homme, étranger au pays, l'abat de sang-froid, sans le moindre motif apparent. C'est de la sauvagerie, monsieur. Oui, j'ai lu tous les articles publiés dans votre presse populaire. Mais ce n'est pas un meurtre, monsieur le ministre. Et comment se fait-il que le capitaine Baker ne se soit pas défendu dans ce sens? C'est lui que ça regarde, monsieur Drake. Et si vous vous donniez la peine de lire le compte-rendu du procès, vous constateriez qu'il s'est déroulé correctement. Et je l'ai lu, merci. Je le connais même par cœur. Le verdict fait de Bantang un pays aussi populaire que l'arsenic, aux yeux des peuples de l'Ouest. Il existe une fâcheuse tendance chez les peuples de l'Ouest, celle de se croire à l'abri des règlements locaux du pays qu'ils visitent. Qu'ils se mettent bien en tête que le peuple de Bantang est fier de sa nouvelle démocratie et de sa constitution. Au revoir, monsieur Drake. Au revoir, monsieur le ministre. Je vous remercie. La prison possédait cet aimable aspect d'un donjon médiéval. John Drake, agence internationale de presse. Votre laissez-passer. Mon laissez-passer. Voici. Merci. Leur système de sécurité était très méticuleux, écartant toute chance d'évasion. Le ministre n'avait d'ailleurs nullement l'intention de laisser le condamné s'échapper. J'avais rencontré le capitaine Baker une année auparavant, au cours d'une mission spéciale. Se souviendrait-il de moi? Silence! Silence! Assis, assis! Cigarette, Ted? Lâchez ça! Je vous remercie. De toute façon, j'essaie de ne plus fumer. Alors, comment êtes-vous traité? Je dois reconnaître que je n'ai pas à me plaindre. La nourriture est même excellente. Pour qui aime le riz? Est-ce que le procès s'est régulièrement déroulé? Je dois reconnaître que oui, mais la sentence a été dure, beaucoup plus que je ne m'y attendais. J'ai fait appel et j'espère que le président m'accordera une commutation de peine. Aucune chance, Ted. Le ministre de la Justice s'y oppose, hein? Bah, j'aurais dû m'y attendre. Les élections ont lieu dans quelques semaines et il est le candidat de l'opposition pour la présidence. Se dresser contre les pays de l'Ouest est le meilleur des tremplins électoraux. Bien sûr, c'est pourquoi il réclame ma tête. Le ministre de la Justice est le mieux placé pour la leur accorder. La seule chance qui me reste est que l'on tarde mon exécution. Et il y a le président? Je ne compte pas sur lui. Ce serait de sa part un véritable suicide politique. Il n'interviendra pas. Vous avez plaidé coupable. J'ai tué un homme sans raison valable. Mais, monsieur Drake, vous êtes maintenant... Vous faites partie de la presse? Je travaille toujours pour la même agence. Vous? Voudriez-vous aller voir ma femme? Elle a sûrement besoin d'aide. Elle est au métropole. Je ferai ce que je pourrai, Ted. Merci pour elle. Mais vous ne pourrez rien pour moi. Nous pouvons faire un cliché? Si vous voulez. Qui est? John Drake. Oh, un moment. Bonjour. Puis-je entrer? Je craignais de vous trouver couché, la tête cachée sous le drap. Ça ne sert à rien du tout de pratiquer la politique de l'autruche. Non, c'est vrai, vous êtes enfin disposé à parler. Vous avez le compte-rendu du procès. Oui, c'est exact. Je l'ai lu, mais je me demande si ce n'est pas trop que de vous demander de raconter de vive voix ce qui s'est passé. Pourquoi? Mon témoignage y est en toutes lettres. Oui, je l'ai lu et je puis dire que dans l'ensemble, il est très clair. Mais il y a plusieurs points obscurs. Voudriez-vous m'aider à reconstituer ce qui s'est passé depuis l'instant où votre mari est sorti de la chambre? Est-ce bien utile? Indispensable. Eh bien, voilà. Le ventilateur ne marchait plus. Ted est sorti chercher quelqu'un pour le réparer. En laissant la porte ouverte? Oui, et l'homme est entré. J'ai cru que c'était Ted qui revenait, mais en levant les yeux, j'ai vu cet homme qui me fixait. J'ai appelé mon mari, mais il n'a pas voulu s'en aller. C'était un homme très entêté. Oui, en effet. Ted est revenu, il a pris son revolver et l'a prié de sortir. C'est alors que l'homme a essayé de le désarmer. Il ne restait plus à Ted qu'une seule chose à faire. Bang! Ça vous amuse, monsieur Drake? Nous faisons notre voyage de noces. Oui, je sais, c'est dans le compte-rendu, mais il y a dans tout cela quelque chose qui m'échappe. Pourquoi cet homme n'est-il pas tout simplement sorti quand vous l'en avez prié? Voyez-vous, Madame Baker, il cherchait la chambre 24. Et bien que les numéros soient inscrits sur les portes, c'est une erreur bien excusable pour un habitant de Bantong que le confondre 24 et 42. Ils lisent de droite à gauche, comme la plupart des peuples orientaux. Il n'était jamais descendu dans un hôtel, je suppose. C'est possible. Ce pouvait être un fermier, un paysan, qui sait. Et de surcroît, pas très intelligent. À mon point de vue, je suis persuadé qu'il n'avait pas la moindre intention malveillante. Vous êtes une jeune et jolie femme, Madame Baker, mais je doute que votre charme ait pu le retenir.
De même vos appels et la menace d'une arme. Il était fort, il avait bu, il me dévisageait d'un air... Et il était pris au piège. Oui, c'est cela. La porte de la chambre s'était refermée derrière lui et il a en vain essayé de la rouvrir. Je souffrais de la chaleur et du bruit. J'étais très nerveuse. C'est vraiment une chose affreuse quand j'y repense, mais... Nous avons cru qu'il fermait la porte alors qu'il voulait l'ouvrir. Et il s'est approché de nous. Nous ? Oui, tel et moi. Si votre porte s'était refermée toute seule, comment Ted est-il entré ? Mais avec sa clé, voyons. Mais s'il avait sa clé, pourquoi aurait-il laissé la porte entrouverte en sortant ? Mais... C'est vous qui avez tué cet homme, avouez-le, dans un moment de panique, pendant que ce malheureux essayait de sortir. Et votre mari en a endossé la responsabilité. Il doit vous aimer profondément, Madame Baker. Sortez, Monsieur Drake. Et veuillez vous mêler de vos affaires. Vous avez tort. Vous devriez me permettre de vous aider, Madame Baker. Je n'ai pas besoin de vous, ni de personne. Tout se passera très bien. Garde ! N'auriez-vous pas déjà conclu un marché avec le ministre de la Justice ? Veuillez faire comprendre à ce monsieur qu'il doit s'en aller. Je m'en vais. Au revoir, Madame Baker, et merci pour votre charmant accueil. Seul le président connaissait ma véritable identité. L'affaire Baker l'avait placé devant un cruel dilemme. Il était inquiet. Mais pas tellement à cause du sort que Baker allait injustement subir. Monsieur Drake, la seule chose qu'il me soit impossible de faire est d'accorder sa grâce au capitaine Baker. Ce serait, politiquement parlant, un vrai suicide. Et si j'arrangeais une évasion, que se passerait-il, monsieur le président ? Sauver la vie de cet homme n'est pas le véritable problème. Ça l'est pour lui. Si je commuais sa peine de mort en peine de prison, mon crédit auprès de certaines puissances en serait accru. Mais, monsieur Drake, l'homme qui vous a amené jusqu'ici en pousse-pousse a le droit de vote. Lui et 1 million d'autres petites gens sont persuadés que le capitaine Baker a mérité la mort. Et si je commue sa peine, eh bien, j'en supporterai les conséquences lors des prochaines élections. Vous ne pouvez ignorer l'opinion des pays de l'Ouest. Je me permets de vous rappeler que votre pays ne vit que grâce aux fonds qu'ils vous ont avancés. C'est justement le problème, monsieur Drake. Je navigue sur un volcan, ainsi que disent les Français. Remporter des élections est plus important que la vie d'un homme. Monsieur Drake, que je puisse renouveler mon mandat et je serai en mesure de faire don à mon peuple d'une période de liberté et de prospérité telle qu'il n'en a pas connue depuis des siècles. N'est-ce pas une chose plus importante que la vie d'un homme ? Vous m'avez fait venir ici afin de trouver un moyen de le sauver. Non, non. Non, afin de trouver le moyen de nous sauver tous les deux. Bon, supposons que Madame Baker accepte de faire une confession selon laquelle elle reconnaîtrait avoir tiré sur la victime. Ses aveux devraient être corroborés. Et pourtant, c'est vrai. Ce n'est pas la vérité qui importe, mais seulement ce qu'on peut faire croire. Il suffit que l'on y arrive et le capitaine Baker devient le héros de l'année. Le voilà le mari au grand cœur. Le populaire Monsieur Chung, notre ministre de la Justice, va tomber sous le coup d'une accusation très grave. Il sera l'homme qui a laissé commettre une dramatique erreur judiciaire. C'est une excellente idée, Monsieur Drake. Excellente. Et Madame Baker ? Je me contenterai de la faire expulser. Nous ne condamnons pas les femmes. Nous avons découvert il y a des millénaires que une tige de bambou bien maniée par un mari est le meilleur remède, quelle que soit la gravité de la faute commise. Très démocratique. Je vais essayer d'obtenir ses aveux. Je vous remercie, Monsieur le Président. Au revoir. Sa grâce. J'ai reconnu avoir tiré. Vous m'avez dit que si je me taisais, Ted serait sauvé. Madame Baker, douteriez-vous de ma parole ? Mais il n'a plus que 2 jours avant d'être livré au bourreau. Vous m'avez fait promesse sur promesse, et où en sommes-nous ? Attendez. Je m'excuse, pardonnez-moi. Ne fais-je pas tout ce qu'il est possible pour vous aider, chère madame ? Si ce n'est pas encore assez, je préfère... Oh non, je vous en prie, monsieur. Je vous ferai confiance. Je vous le jure. Qu'est-ce que je dois faire ? Mais rien, Madame Baker, j'ai mon plan.
Jeudi, à 10h, le capitaine Becker sera conduit dans un endroit appelé le Jardin des Mille Pleurs. C'est là que les condamnés disent adieu à leur famille. Et ensuite, il sera conduit jusqu'à la porte qui est au bout du jardin et que chacun connaît sous le nom de Porte du Ciel. Et c'est là qu'il doit être? Oui. Exécuté. Je dirai aux journalistes américains qui seront présents que cette ultime entrevue serait une bien trop lourde épreuve pour vous. À la même heure, un avion vous aura emporté vers les États-Unis. Non, non, je ne partirai pas sans mon mari. La porte franchie, votre mari sera aussitôt conduit, le plus discrètement du monde, vers une ruelle où une voiture l'attendra. Oh, je vois. Vous n'essayez pas de me tromper. Madame Becker, ayez confiance en moi. Ayez confiance et tout se passera bien. Monsieur Chung. Non, non, n'appelez pas les gardes, Madame Becker. Vous devez m'accorder un instant. Que voulez-vous? Vous proposez une sorte d'assurance. Je n'ai pas besoin de vous. Écoutez, Madame Becker, je commence à me demander si vous tenez vraiment à sauver Ted. Et tant que vous n'aurez pas signé ceci, vous me permettrez d'avoir des doutes. C'est bon, je me suis trompé. Voulez-vous lire la police? Mais c'est une confession reconnaissant que je l'ai tué. En effet, signez-la et Ted sera libre. Monsieur Drake, Ted est consentant. J'ai 24 ans et je ne finirai pas ma vie en prison si Ted et moi pouvons nous échapper. Vous n'irez pas en prison, je vous en donne ma parole. Tout le monde me donne sa parole, je ne sais plus qui croire. Je suis à bout. Très bien, mais en supposant que je mente, ne préférez-vous pas aller en prison que de voir votre mari exécuté? Il ne sera pas exécuté, Monsieur Chung me l'a promis. Et vous croyez ce qu'il dit? Je ne sais plus. Vous croyez ce conte de fées, qu'il va s'échapper à la barbe de tout le monde? Oui. Ça paraîtra dans toute la presse, Madame Becker. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais beaucoup de gens dans ce pays ont intérêt à ce que l'exécution ait bien lieu. Si M. Chung s'arrange pour qu'il s'échappe, cela équivaudra à la perte de milliers de voix. Mais il m'a juré que... Vous jouez sur un coup de dé la vie de votre mari. La seconde feuille aussi. Merci. Quant à vous, tout ce que vous risquez, c'est l'expulsion. Je vous en supplie, n'ajoutez plus rien. Je m'en veux déjà d'avoir signé. Laissez-moi seule. Bon. Je vous laisse. Je vous tiendrai au courant avant peu. Monsieur Drake, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que vous faites? Rien, Madame Becker. Nous allons veiller à ce que cet homme ne vous cause plus d'ennuis. Suivez-moi, monsieur. Mais c'est une erreur. Monsieur Drake est un ami. Si j'ai bien compris, il a pénétré chez vous de force et vous a molesté. Venez. Je vous répète que vous faites erreur, comprenez-vous? Vous perdez votre temps, Madame Becker. Vous voyez bien que le lieutenant n'a pas du tout l'intention de comprendre quoi que ce soit. Après vous. Je vous en prie, après vous. Bon, si vous voulez. Le ministre de la Justice était invisible, mais moi je le voyais tirant les ficelles de cette machination. Eh bien, monsieur Drake, je suis désolé de vous avoir retenu. J'espère que votre cellule était confortable. Un vrai palace. Madame Becker a décidé de ne pas porter plainte. Vous êtes libre, monsieur. C'est parfait. Votre passeport, un carnet, de l'argent, un portefeuille, des clés. Je crois qu'il ne manque rien, monsieur. Je vous remercie. J'avais également deux feuilles de papier tapées à la machine. Où sont-elles? Ah, c'est exact, c'est sur l'inventaire. Alors? Oui, et deux feuilles de papier. Je vous fais toutes mes excuses, mais nos employés sont si distraits, ils sont très désordonnés. Mais peut-être qu'en revenant demain, Vous ne croyez pas que ce serait perdre notre temps, lieutenant? Oh non, monsieur Drake. Nous ne voudrions à aucun prix nous approprier ce qui vous appartient. Nous sommes en démocratie maintenant. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Et encore merci, lieutenant. Madame Becker est sortie. Madame Becker, elle est retournée chez elle. Elle a pris le bateau. Cet après-midi. Vous êtes Monsieur Drake? Oui, John Drake. J'ai une lettre pour vous. Merci. Tenez. Merci, monsieur. J'espère que la femme de chambre pourra vous remettre cette lettre. Ils m'ont conduite cet après-midi à bord d'un bateau en partance pour l'Amérique, sans me permettre de prévenir l'ambassade. Je sais que Chung s'est joué de moi et que Ted va être exécuté,
Maintenant qu'il sait que j'ai signé des aveux, il ne me laissera entrer en contact avec personne. Vous seul pouvez me sauver. Monsieur Drake, nous sommes forcés de l'avouer, mais Chung Sun nous a bien manœuvré. Il s'est arrangé afin que nul ne puisse voir Madame Baker jusqu'à ce que l'exécution ait eu lieu. Et les aveux auxquels elle fait allusion dans cette lettre sont imprécis. Il n'y a plus qu'une solution. Oui, je vous écoute. Une solution désespérée. Je pourrais peut-être le faire évader. Quelles sont les chances de réussite, Monsieur Drake? J'ai visité la prison, ça doit être possible. Ne m'en dites pas plus. Je ne veux être au courant de rien. Eh oui, je comprends. Je pense que le capitaine Baker va tenir une dernière conférence de presse. Si le capitaine Baker réussit à éviter l'exécution, un coup violent sera porté au prestige du ministre de la Justice. Bonne chance, Monsieur Drake. Merci. Mais si les choses tournent mal, vous ne devrez espérer aucune aide de ma part. Je n'y comptais pas. Agence internationale de presse, ouvre ton étui, veux-tu? Eh ben, ça y est, t'as encore oublié ton flash. Quoi? Oh, il doit être dans la voiture. Je reviens tout de suite. Ouais. Vous avez du feu, s'il vous plaît. Je l'ai pas trouvé. C'est bon, prends la voiture et cours le chercher. D'accord. Laisse-moi ton appareil. Si t'es en retard, j'essaierai quand même de prendre quelques fiches. Mais bien, Ted, le président ne donne pas vite de ses nouvelles. Non, et j'ai bien peur que ma chance m'ait abandonné. Est-ce que vous éprouvez un certain ressentiment? Oui, sans aucun doute. Il n'y a pas si longtemps, j'ai combattu aux côtés de ces gens pour leur liberté. Avec quelques milliers de camarades. Si j'avais su alors qu'ils me traiteraient un jour de cette façon-là, je vous jure bien que je n'aurais pas risqué ma peau pour eux. Allez-vous dire un dernier adieu à Madame Baker? Enlevez ça, vite. Les secours seront là dans une minute. Je vais vous l'attacher. Avec ça, ça devrait aller. Allons-y. Vous venez? Alors, je n'ai toujours pas retrouvé mes allumettes. Donnez-moi du feu, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes très aimable, hein, ce jour. Aux premières heures de la matinée, Ted put respirer le doux parfum de la liberté. Et je réussis, l'argent fait beaucoup de choses, à l'embarquer sur une jonque pour Hong Kong.